Alors, je me souviens très bien de ma première répétition avec l'orchestre. Et j'ai rencontré un orchestre avec une personnalité énorme. Je l'ai toujours dit, c'est un orchestre qui a un personnage vraiment puissant et fort et qui donne tous pour la musique. Il donne chaque dernier millimètre de l'archet, il donne vraiment du son pour la musique. Et ça, pour un chef d'orchestre, c'est une expérience formidable. C'est pas juste un privilège de diriger cet orchestre, mais c'est un plaisir énorme aussi. Je trouve chaque compositrice, chaque compositeur est un personnage et la musique n'a pas beaucoup à faire avec le sexe de la compositrice. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit, c'est bon d'avoir un thème pour le concert et surtout c'est important à jouer des pièces des compositrices. Elles jouent avec les couleurs de l'orchestre, avec des couleurs impressionnistes, avec des couleurs expressionnistes. Et c'est de la musique très variée. Et c'est super de découvrir cette musique. La musique et les histoires, l'art, mais surtout la musique et les histoires, sont des médiums très puissants et très forts d'exprimer ce qui est à être humain, d'exprimer notre humanité. Et je crois forcément que quand on est confronté chaque jour, chaque heure presque, par les choses incroyables contre l'humanité, les agressions, les actes de guerre, les choses horribles et incompréhensibles simplement. C'est encore plus important d'écouter la musique, de lire les histoires, de raconter les histoires, de jouer de la musique, de célébrer avec défiance ce qui est d'être humaine et d'exprimer, de célébrer notre humanité. Et c'est pour ça que je suis convaincu que c'est encore plus important aujourd'hui à faire de la musique, à venir des concerts et de célébrer les belles choses dans notre vie.